Joyeux Noël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour Noël, donc joyeux Noël à tous. J'espère que vous profitez avec vos familles, j'espère que tout va bien pour vous dans votre vie. Et j'espère que vous aurez plein de cadeaux. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans cette vidéo? Regardez-moi ça, j'ai reçu un calendrier de l'Avent géant. Donc j'avais fait l'année dernière, la vidéo vous avait plu, donc ça fait plaisir. Et tous les jours, je vais devoir ouvrir une case et il va se passer un truc. Donc ça peut aller de, je reçois un objet, je dois faire une activité, j'ai une surprise. Bref, peut tout avoir dans une case. Donc voilà, on en aura 24 jusqu'à Noël. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus aussi pour Noël. Voilà, un pouce bleu égale un joyeux Noël. C'est trop nul. Oh, 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 oh. Oh, l'ancien Guy. Wesh, y a Ace à la fenêtre. Mais tu sais qu'il a un vrai flow le calendrier de l'Avent. Les gars, vous vous rendez pas compte? Je crois que c'est officiellement le plus gros calendrier de l'Avent au monde. Ah ouais, je pense vraiment que c'est le plus gros calendrier de l'Avent. C'est parti, première case, let's go. Alors, première case du calendrier de l'Avent. Découvre ton studio. Ah, va voir, parce qu'il y a une petite dinguerie là-bas. Je sens qu'on m'a fait une petite surprise, les frères. Là, c'est là, découvre ouais, ton là, studio. Déjà, tout le studio est décoré pour Noël, les gars. Je sais pas si vous voyez, petite guirlande, voilà, petite déco. Petit plaid de Noël. L'Underman, il là-bas, je kiffe le coin là. Ça a un flou de fou. C'est studio en mode Noël. Oh, la balle. Oh la frappe atomique. Tu sais que j'adore. Il y a plein de mecs casse-noisettes. C'est des casse-noisettes. Lui en parachute, le Père Noël. Oh la dinguerie. Bon bah c'était la première surprise de ce calendrier de l'Avent. Voici mon nouveau studio pour Noël. Et bah on se retrouve demain pour le prochain jour. Oh, 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 oh. Jour 2 et jour 2, Ace m'a rejoint pour ce petit jour 2. Regardez-moi mon loulou, joyeux Noël. Il a pas... Si, depuis un an quand même, quand j'avais fait le calendrier, tu te rappelles comment il était tout petit? Il a quand même bien grandi ce... Regarde, mais je sais pas pourquoi il fait ça gros, tu penses que c'est un signe d'affection? Ace, tu vas ouvrir le calendrier avec moi. Ok, numéro 2, c'est parti. J'ai un petit papier. C'est Noël avant l'heure, offre cet iPhone et cette coque Rhinoshield à un abonné. La dinguerie. Et merci Rhinoshield qui régale parce que les amis Rhinoshield sponsorisent cette vidéo. Et merci Rhinoshield. Et ils vont offrir un abonné. Je vais offrir ou ils vont? C'est eux qui ont payé l'iPhone. Donc c'est qui offre, Aaron? C'est eux ou c'est moi? En vrai, c'est moi qui fais le geste. Donc c'est moi, hein, Mathieu? C'est le mec qui fait le geste. Ouais, on va dire que tu l'offres en leur nom. J'offre un iPhone, les gars, à un abonné. C'est bien, on régale la commu. Comme quoi, il y a des casques qui vous régalent aussi. Et petite croque Rhinoshield, juste ici, on va lui offrir aussi. Mais ceux qui veulent une coque Rhinoshield, les amis, c'est le moment. Parce que jusqu'au 5 janvier, il y a moins 15% sur tout le site avec le code InoxTag. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a les coques One Piece, il y a des coques GP, il y a des coques Harry Potter. Il y a tout plein de coques sur le site. Elles s'affichent tout là, autour de moi. Si jamais t'as envie, tu peux même personnaliser ta coque. Mais nous, on va vite aller donner cet iPhone 15 Pro à un abonné. On va lui refaire sa journée. Et ça j'aime bien, parce que le plaisir d'offrir, ça compte plus que... Le plaisir d'acheter. Voilà, t'as bien pris ton brief, c'est bien. Bon, on y va les gars, on va offrir. Je suis abonné, on est abonné nous. Je suis abonné si... Ah, t'es abonné gros? Ouais. C'est parti, on va offrir cet iPhone, let's go. Sinon vous, ça va les gars? Non. Putain, y'a une ambiance à Noël là dans ce studio. Bon les gars, pour la vidéo, faut au moins faire genre. Ah ouais, ça va. Attends, ouais, je refais, on va cut. Alors les gars, ça va ou quoi? Ouais, nickel. Les amis, bah ouais, nous on prend soin de nos employés. C'est Noël, tout le monde est content d'être ici. Vous êtes content d'être ici? Ouais. Putain, merde les gars, ça se voit que c'est faux là. Reprends. Vous êtes content d'être ici? Ouais. Let's go. Allez, c'est parti, on va offrir des iPhones aux abonnés. Let's go, c'est pour la communauté, let's go. Ça va? T'es en stage? Ouais, stage de 3ème. Stage de 3ème? Ouais. Est-ce qu'on lui offre à lui pour son stage? Viens, j'ai mis un coup de pression, j'ai dit, hey, je veux te voir parce que depuis tout à l'heure, je vois que t'écoutes dans mon studio là. J'ai mis un coup de pression, viens lui offrir un iPhone de fou. Venir, s'il te plaît. Je te vois, t'espionnes à ma porte depuis tout à l'heure. Vas-y, viens, rentre. Ça va bien se passer. J'ai ramené un stagiaire qui nous espionne depuis tout à l'heure à la porte. Ah bah magnifique. Donc vas-y, viens. On va s'occuper de ton cas. T'aimes bien le studio ou pas? Non, j'ai propre. Joyeux Noël, mon frère. Ça va? Frérot, c'est la journée de stage la plus rentable de ta life, là, je pense. Voilà, oui. Frérot, c'est cadeau, gros. J'ai vu dans le couloir, t'attends depuis tout à l'heure. Fallait que j'offre à un abonné, donc t'étais le premier que j'ai vu. C'était le premier aujourd'hui que j'ai vu, gros. J'ai vu, il avait un Samsung. T'avais un Samsung? Ouais, même pas, c'est un Xiaomi. Je vais pas te mentir, c'est la reste. Frérot, ah, j'ai vu. J'ai dit, toi, mec. Bon, tu travaillais pas beaucoup dans ton stage, mais je me suis dit, ça va refaire ta journée. Le stage le plus rentable de l'histoire. Là, c'est, mec, là, c'est vraiment le stage le plus rentable de l'histoire, frérot. Ouais, mais du coup, joyeux Noël, mon frère. Bah merci. Bah pas de soucis. Je suis bien. Oh, 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 oh.
Les amis, jour numéro 3. C'est parti, on ouvre la troisième case du calendrier. Elle est là, let's go. Félicitations pour les 7 millions. Oh là 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 là. Et oui les amis, on a passé les 7 millions hier soir. Oui. Excellent le gâteau. Mais c'est quoi ce gâteau de zinzin? Et merci la famille, ça fait plaisir. Je pense qu'on est déjà 7 millions 50 000. Et on a passé les 6 millions en février dernier. Voilà. Franchement, road to 10 millions. C'est pas un cadeau là qui t'attend là. Mais non. C'est Ace qui a fait ça? Ok. Tu sais que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un papier cadeau les frères. La semaine dernière, espèce de menteur en vrai. Wow. Oh le tableau de baiser mental. Wesh, c'est qui a dessiné ça? Le C. Le C? La ref avec Ascension. Mais frère, il est incroyable le tableau. On dirait un dessin d'Ascension. Ceux qui connaissent pas Ascension, je vous mets des images des planches juste ici. C'est un de mes mangas phares, tu vois. Oh la masterclass, wow. Petit tableau, 7 millions. Merci les frères, ça fait plaisir. Alors... Tu vas pas manger comme ça, mais c'est cool. Mais t'es vraiment le roi des égoïstes, frérot, regarde ce que tu fais. Amusez-vous les gars, c'est notre gâteau, on peut faire ce qu'on veut. Après c'est toi qui l'as payé le gâteau. C'est moi qui l'ai payé. Mais c'est pas un cadeau alors. Mais non mais c'est Rhinoshield qui paye. Ah bah c'est bon, c'est Rhinoshield, c'est bon. Et merci Rhinoshield. Oh 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 oh. Bon bah les frérots, je suis avec le G dans, pas le classe G, mais dans une magnifique Porsche qui est la Porsche de mes rêves genre. Qui commence par G aussi frérot. Ah G, oui, T, 3, RS, va à gauche, va à gauche. 992 frérot, mec, la toute dernière. Donc là c'est la toute dernière GT3 RS. Je sais que c'est la voiture de tes rêves. Mec, c'est la voiture de mes rêves. Et pour le calendrier de l'avant, quand on s'est dit qu'on devait faire un petit truc ensemble, je me suis dit faut que j'emmène la voiture de ses rêves gros. Mec, tu sais que c'est le meilleur cadeau genre. C'est en mode, c'est, je me dis, tu sais c'est chill, c'est détente, juste c'est petit ça. Tour dans la voiture de mes rêves. Là c'est Porsche, tu te la prêtes, ouais. Mais là toi tu vas la vraiment la recevoir. Moi je reçois la même, ça sera la même voiture, je la reçois en février normalement ou en mars. Et là Porsche France me prête celle-là du coup, ils étaient contents qu'on fasse une vidéo. Mais regardez-moi ça les frérots, regarde-moi le tableau de bord. Wesh, là à côté la flip. Wesh. Frérot comment ça? Mec, ça se voit que c'est une voiture de course. Les amis, regardez, on est clairement dans ma ville. T'aimes bien ma ville, Georges? J'adore. T'aimes pas comment c'est beau? C'est beau. Mec, c'est beau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est de la folie. Oh là là. C'est pas, c'est jamais. C'était chier. Qu'est-ce que tu penses si on présente une GT3 RS? Dans la boue? Dans la boue. Non. Ça... Wesh. C'est la boue. Là, c'est d'une aberrance. On est dans un champ. Non, regarde, qui a présenté une GT3 RS comme ça? Qui l'a fait? Le plan, il est incroyable, frère. Oh lolo. Mec, voici la voiture de mes rêves. Ça, c'est incroyable, frérot. Et regarde, frérot, l'aberrance. Le pneu, frérot, on lui a mis de la terre partout. Ça, c'est des vraies traces de pneus. T'as déjà eu une trace de pneu comme ça ou quoi? Ouais, dans mon froc. Mais regarde, frère, regarde, oh, regarde. L'avant, mais... Tu me dis, tu préfères Lamborghini à 1 million d'euros ou machin? Non, moi je veux cette voiture. Ouais, ça c'est énervé. Hein. Voilà, moi c'est la voiture de mes rêves, elle est là. Le coffre à l'avant, si tu pars en vacances avec ta Go, tu vas voir, attends, faut juste que j'arrive à trouver le trou, frérot, j'ai souvent un problème pour trouver le bon. Je peux mettre deux valises là. Jure. Ouais, si tu pars avec ta meuf, c'est génial, frère. Frérot. Ah, tu m'apprends qu'il y a pas de coffre? Ils ont fait un coffre à l'aide de leur connaissance. Il n'y a pas de coffre. Il y a R. Mettez une note sur cette voiture dans les commentaires. Mais mec, ferme le capot. Tu sais que la photo, elle est magnifique. Georges, tu sais que c'est incroyable. Magnifique. Oh lolo lolo lolo. Ciao. Wesh la dinguerie. Bon mon Suisse, est-ce qu'on irait pas sneaker un petit cheeseburger? Moi j'ai envie de t'emmener au McDo. Allez. Tu vois, ça c'est un vrai date. Ouais, ça c'est un genre date. Petit drive McDo, c'est ça qu'on veut. Je regardais le rétro. Ah ouais, ok, parce que mec j'ai eu un coup de chaud, j'ai cru que tu voulais m'embrasser. Non. Après j'ai vu que t'as regardé le rétro, je me suis dit ok c'est bon. Tu sais que depuis notre première vidéo, il y a une évolution quand même. Il y a eu une petite évolution. Mes sentiments, ils ont évolué un peu. Tes sentiments, ton orientation. Tu parles de la voiture hein? Ouais, j'aime bien conduire au sud là. Tu sais, après, si tu veux régler ton siège. Wesh, gros! Ah, mais si tu veux régler ton siège, il y a le règle. Ah, putain, j'ai eu peur! Là, t'as l'arnée. Wesh, gros! Aïe, aïe, aïe! Là, mais il y a l'arnée là! Ah, ouais, c'est bien, gros! Ah, ouais, mais gros, tu m'as dit. Pas de problème. Tu vas prendre quoi, toi? Tu penses qu'elle entend ou pas? Je vais demander si elle reconnaît la voiture, ce que c'est. Non. Si, si. Non, ça, c'est insolent. Attends, mais je vais voir. Après, franchement, si elle trouve, on lui offre quoi?
on lui offre un McFlurry. Non, je lui donne 50 euros. Fou de ma gueule. Non, je te jure. Vas-y, on va le faire. Bonjour. Alors, bonjour. On va passer une commande, mais avant de passer une commande, je voulais jouer juste à un petit jeu. Si vous devinez au bruit la voiture qu'on a, je vous donne 50 euros. Vous gagnez 50 euros. J'accélère et vous essayez de trouver. Allez-y. Ça vous dit quelque chose ou pas? Pas du tout. Pas du tout et au moins une marque au hasard. Ah putain, vous avez le choix entre Lamborghini, Porsche ou Ferrari? Lamborghini. Non, putain, c'est aïe, 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 aïe. Bon, bah du coup, on va commander, s'il vous plaît, madame. Double cheese. Sans oignons, sans cornichons, sans sauce. Sans oignons, sans cornichons et sans sauce. Mon pote, c'est un peu relou, désolé. En fait, mettez-lui juste deux pains. Non. Je vais prendre 6 nuggets, s'il vous plaît. Et ah, vous avez pas des bouteilles d'eau, c'est l'eau bizarre, là. C'est que un gobelet, ouais. Ok, non, alors juste ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais. Alors on est bien. On est bien. Le créateur. En vrai, il a l'air trop bon. Les gars, un petit mollet de GMK. Oh le bâtard. Vas-y, prends la volontiers. Ma nugget. Quoi? Tu peux la manger. Genre, pourquoi t'as fait un accent déjà? Non, je t'ai dit mon jeu d'un coup, mais avec l'accent américain du matin. Ah, ok. Mais attends, mais tu. Non, mais t'as commandé des nuggets pour les manger ou pas? On la bouge juste. Mais mec, t'es un malade mental, gros! Tu leur fais vraiment ça? À qui? Ah, mais non. Mec, attends, dis une vérité. T'as pas le droit de mentir. Il se peut, ça se rapproche de cette taille. Non, t'es fou, frère. Assis comme ça, c'est trop simple. Non, tu veux pas dégainer ça. Non, là c'est insolent. Le truc c'est un anti-vol de voiture. Merde, je me bloquer un volant. Mais est-ce que tu leur fais ça? À qui? À qui tu parles? Oh là. Oh oh oh. Jour numéro 5, c'est parti, let's go. On va ouvrir notre petite case cadeau de la team. Mec, j'ai que des cadeaux en ce moment là. Alors, petit cadeau. Non, ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert de cadeau, tu sais. Ça doit faire... deux jours. Book to cultivate. Merci gros, c'est trop sympa. T'as l'air bien heureux là. Quand j'avais des livres à Noël, j'étais vraiment un aigri. Mais c'est pas un livre. Hein. Mais si, c'est un livre. Mais non, regarde. Genre, moi, c'est un truc 3D à l'intérieur. Mais non. C'est en sorte de Lego, ouais, livre. En fait, c'est un truc que tu mets entre tes livres. Oh, donc, je préfère lui en mode Japon, il est stylé. Hein. Et en mode ça, tu le fais à la main et ouais. Tu le mets dans ton étagère en mode comme ça, genre. Ouais. Mais ouais, c'est une dinguerie. Vas-y, go, je le fais. Les mecs, j'ai l'impression que c'est plus dur que les Lego, Théma. Il y a des schémas, les frères. Mais ça a l'air trop dur. Mais attends, comment tu colles? Tube de colle. Ouais. Non mais mec, j'ai pas utilisé ça depuis en art plastique tard l'époque, frérot. Donc en fait, on va faire ça les amis, et on va finir aujourd'hui. Let's go. Après je ne sais combien de minutes, bon ça se parle en heures peut-être, regardez ce que j'ai fait. Et le début du tramway. Mais mec, c'est trop mimi. Franchement, c'est trop mims. J'ai commencé à faire l'arbre. Non, c'est trop cute. J'adore. Les DIY comme ça, c'est vraiment mon style de fou. Après, moi, je trouve que, tu sais, dans les trucs manuels comme ça, délicats, je suis tellement bon. Ça se voit, t'es du doigté, toi. Moi, j'ai un bon... Ouais, genre avec les doigts, je me débrouille bien. Tu pourrais être mon petit frère, en vrai. Pourquoi? T'as quel âge? J'ai 26. T'as 26 ans? Ouais. Pas comme si ça fait 2 ans que je le connais. C'est quoi la date de ton anniversaire? 2-2-2002. Non, c'est la tienne. Là, j'attends. Moi, t'attends un petit peu, là. Putain, mec, colle. C'est trop stylé, hein. Putain, mais je comprends rien. Tu fais quoi, là, toi? Bah, je taffe, quoi, comme d'hab. Tu parles à Julien. Julien, ouais. T'es chaud, tu finis. Allô, Julien? Bon, on en a pas pour toute la journée. Hein. Okay. Bon, je vais jouer. 6 hours later. Oh, 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 oh. Jour numéro 6, c'est Ace mange une perruque de Noël, donc c'est parfait. Numéro 6. Numéro 6. Un combat de boxe t'attend à cette adresse. Et bah, let's go! Donc on y est les amis, aujourd'hui après-midi box avec tous les poteaux. Il y a des gens d'exception aujourd'hui, déjà il y a Bailan Airline qui est avec nous pour cette vidéo. Il y a le Idriss toujours, le coach Flamby. Non, il y a Baki qui est venu exceptionnellement pour nous aujourd'hui, ça fait plaisir.
Moi, je suis venu juste pour me faire fumer, voilà. Les amis, encore merci à Fitness Park de nous offrir ce petit lieu pour tourner cette petite séquence. Ça fait plaisir. Merci du fond du cœur. Et maintenant, go s'échauffer, go s'entraîner. Et ça se tape. Let's go. 1, 2, 3, I know beats like ABC. Might come up, they hate to see. I may believe till they believe. I came up to major leagues. Say you blind, but wait and see. This so easy. 1, 2, 3, your ABC from A to Z. Du coup, tu vas commencer avec le niveau qui est le plus bas de ce que j'ai vu. Peut-être c'est faux, hein. Ouais. Essaie de nous prouver le contraire, frérot. Quoi? Attends, comment ça, c'est moi le niveau le plus bas? C'est parce que t'es petit. J'ai pas. Attends. Ah. Premier combat, Flamby vs Inox. Pas de coup bas. Ouais. Du fair play. Flamby, mon loulou. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Go. Vas-y. Rush-le, poto, rush-le. Voilà. Détendez-vous. Il a dit ça à l'arabe. Non, il a pas dit ça, frère. Il a pas dit ça. Mon reste. Le mauvais reste. Inox, toi aussi, tu peux le taper dans le ventre. T'as moins de distance. Il est plus là. Voilà. Détendez-vous. Inès, là, tu vois, t'abuses. Ouais, ouais, j'ai pas fait exprès. Voilà, dans le voilà. Tu perds. 10 secondes restantes. C'est ton moment. Il reste plus longtemps. Il écrase, il écrase. Voilà, bonne sortie. Ok. Top. Top. C'est fini. Bien joué à Flamby. Ne te coince pas là tout seul là. Parce qu'en fait quand tu coinces déjà tu fais ça. Okay. Le mec qui va t'enchaîner il va pouvoir alterner corps et tête. Okay. Et si tu touches au corps, ça va couper la respiration. Et t'as encore des rounds à faire, tu vois. Donc vas-y doucement, économise-toi un peu. C'est d'ailleurs ce délire de frapper et sortir, ça c'est cool. Regarde ça mec. Ilias contre Inès les gars. 3, 2, 1, fight. Allez, tu lâches là. Allez garçon. Allez Inès, voilà, bouge, jeu de jambes, bien. Une pêche, pas deux, voilà. Calme un peu, calme un peu. Le foie, le foie, le foie. Voilà. Ouais. Ok. Voilà, voilà tu montes la tête. Calmez-vous, doucement, 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 il est. Tu comprends ce qui se passe. Voilà. Magnifique, léger. Voilà, tu vois. Voilà, allez, le sniper. Voilà, le sniper. 10 dernières secondes, les gars, 10 dernières secondes. Machine. Ouais, doucement, tranquillement. Ouais, il y a une amie dans le nez. C'est fini, c'est fini. Fini, fini. On va fixer une règle. Si vous n'arrivez plus à vous contrôler et que vous voulez frapper fort, tapez au corps. La tête, vous n'avez pas de protège-dents. Il y a une meilleure règle. Si y en a un, il tape trop fort, Baki, tu rentres, tu l'aimes. Ouais. Je vais punir ceux qui frappent fort après. Voilà. 3, 2, 1, fight. Ok, ok, ça va voilà. Doucement. Voilà, voilà. Tranquillement, pas fort, okay. Les gars, on y va. Ok. Ouais. Là, c'est du bon travail. Il faut bien se protéger et envoyer le bon coup au bon moment. Okay. On va faire un tour, Ouais. Voilà. Ok, pause. Oh, hey, hey, hey. Vive comme l'air. Voilà. 10 secondes. 10 secondes, dégage comme tout. Ouais, c'est bien ça, Inès. Voilà, hop. Allez, voilà, 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 tranquillement. Okay. Attends. Il enchaîne. Il est pas loin à chaque fois du ballon. Voilà. Top, top. Il me met dans le coin. Mais ça KO trop. La fatigue elle est normale. Mais l'épuisement, c'est que vous avez merdé quelque part. Ouais, bah, je suis avant Bison. Et lui, c'est le niveau ultime. Donc... Ah, toi, tu vas te battre contre. Je vais me battre contre Idriss. Donc. Hey. Ah, ça envoie bien. Fais bouger partout. Il tue son voilà. Cardio là. Voilà. Voilà. Yeah. C'est bon, les gars. On donne tout. Dans le poids, dans le poids. Là, stop. Idriss est vraiment trop gentil. Ouais, ah Idriss, t'as été bon gars. Même se manger il avait pas mal. Franchement, hey, il m'a surpris sur la petite droite. Là on fait quoi, Inès contre moi? Ouais. Attends, je me pose un peu quand même. Et ouais, il a les gants de boxe dipo, je sais pas comment je dois réagir. Là. Plus c'est la première fois que je les mets ceux-là, tu vas les manger plein pot normalement. Allez, on va fumer. Les gars, fumer, on vous espoir. Le main event de cette soirée. Le niveau 6. Bison, Baki, ce combattant imbattu. Et Inox Tag. Ouais. Hey, j'ai pas de protège dans. Ouais, moi. Bon. 3, 2, 1, fight. Wesh. Wesh. Aïe, aïe, aïe. Entre le frère frérot, il combat en 240. J'ai dit. J'ai dit. Regarde. Aïe, 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 aïe. Voilà, il y a un sort. Inès, faut que tu sors. Cool, maintenant. Voilà, voilà. Allez, tu lui mets des coups. Faut que tu le touches. Ouais, ouais, ouais. Faut t'en fournir cette carte. Ouais.
Mais moi, il est passé derrière moi, je crois. Attends, il a enlevé sa chaussure même. Comment il est passé? Il a utilisé le cul de la téléportation. Face à lui. Face à lui. J'ai toujours un regard sur lui, toujours. Voilà, toi la garde. Toi la garde. C'est lui des fake coups. Superman Fench. Il est ouvert. Allez, on envoie, c'est le dernier. J'ai bien aimé. 3, 2, 1, stop. Là, je vais applaudir. Bien joué. Pas de chance. Bien joué. Merci. Franchement, Inès, t'as un bon relâchement dans ton job. C'est une chose qui prend du temps normalement, c'est bien. Là, moi j'ai kiffé. Moi, les gars, merci, vous pouvez vous applaudir. On applaudit tout le monde. Ouais, mais il y a rien. On le dit pas, mais faut des couilles pour rentrer dans le ring. Ouais. Oh, 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 oh. Pourquoi il pleure lui? Jour numéro 7. Aujourd'hui, Ace veut jouer. Allez, viens avec moi. Case numéro 7. Alors, quelqu'un t'attend devant la porte? Mon ref! Tu connais Lilo et Stitch? C'est Stitch. Comment ça, quelqu'un m'attend devant la porte? Bonjour! Le boss. Vous allez bien? Ouais, le boss. Salut! Ouais, c'est quoi ça? Je suis pas déguisé en Père Noël. Et vous êtes les Pères Noël aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ça? Je vais prendre une petite caisse. Qui pourrait te plaire. Qu'est-ce fait ma... Tu me diras. Alors, t'as un indice. C'est marqué Paris. Il écrit Paris. Paris. Je pense qu'il y a un lien quand même avec tout ce que tu fais. Parce que c'est de la matière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est grand. C'est de la matière numérique. Paris. C'est un ordinateur géant. Exactement. Après, what c'est un. The fuck. Exactement. Attends, c'est Paris en pièce d'ordinateur? Oh la master. C'est le tableau of the all time. Ça fait 5 ans que le boss lui. Ça fait 5 ans. 5 ans de boulot, mec. Combien d'heures? Oh, arrête-toi. Commence pas à manger le tableau. Mais mec, quand tu regardes le plan comme ça, c'est une dinguerie. En fait, on comprend comment Paris est fait. Regarde, les grands axes, tu vois, toutes les grandes artères. C'est de la folie. Et tout ça, c'est des composants d'ordinateur. Alors, t'en as certains que j'ai fixés direct. T'en as d'autres que j'ai dû retravailler, parce que pour avoir les invalides et tout, je suis obligé de travailler, tu vois, des éléments. Mec, t'as pris combien d'heures pour faire ça? Plus de 1000 heures. Franchement, les gars, dites-moi dans les commentaires, mais c'est quoi ton prénom? Greg. Greg, mais les amis, mettez un commentaire de ce que vous en pensez, parce que c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est d'art de voir des artistes, tu sais, d'autres trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, mec, un tableau avec la ville de Paris en pièces d'ordinateur, c'est une balle absolue. C'est vrai, bon, c'est sympa. Les gars, regardez comment c'est minutieux. Regardez, quand tu regardes comme ça, t'as tous les bâtiments. C'est pas exceptionnel. T'es mal, il y a la Tour Eiffel, Tour Montparnasse, et il y a tous les petits détails. Ça fait qu'il y a un peu de relief là-bas, il y a la défense tout au bout. Non, mais c'est le tableau of all the time. Je vous mets son TikTok juste là, pour si vous voulez lui donner de la force. Franchement, c'est magnifique. Oh, 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 oh. Jour numéro 8, c'est parti, on ouvre la case. Repos. Oh, ah oui. Oh, je rentre. Oh, 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 oh. Ah, je me suis enculé. Jour numéro 9. C'est parti. Les cadeaux de Noël dans notre enfance t'attendent. Ah, mais c'est ça les cadeaux qui étaient là depuis hier. Ok. Cadeau. Ace, ouvre ces cadeaux. Voilà, moi j'ouvre l'autre. Du blé. Oh, le souvenir de fou. 3, 2, 1. Blé. On passe un autre jour, là. Viens, on passe un autre jour, parce que là, je suis déçu. Ah non, il reste le deuxième cadeau. Attention. Ça c'est vraiment l'époque 2008, ça. Oh ouais. Les amis, qui avait ça en 2008? Tamagotchi. Oh mais gros, c'est trop stylé. Comment il marche? Oh, j'ai un œuf. Regarde, j'ai un œuf, les gars. Ça y est, c'est un animal de compagnie, ouais, là. Pour de vrai. Mec, c'est trop bien, les gars. Come back to 2008, my bro. Prochaine case. Oh, 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 oh. Jour numéro 10, c'est parti. Ace, toujours en ma compagnie. Ok, plus en ma compagnie. C'est parti, on ouvre. Un duo iconique de YouTube t'attend dans ton studio. Attends, qu'est-ce qui se passe dans mon studio? Oh!
Qu'est-ce que vous foutez là, les frères? Ah, on chill, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous chillez comme ça dans le studio. Mec, c'est une bonne surprise, ça. Ça va ou quoi? Frérot, tu m'as pété mon truc d'escalade. Ouais. Est-ce que c'est pas exceptionnel? C'est génial, est-ce que ça va ou quoi? T'as prévu un truc d'escalade prochainement? Frérot, ouais, tu sais, je veux monter des montagnes et tout. Des montagnes, carrément, mais fais pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, les gars, là? Laisse-nous faire, t'inquiète pas. Bienvenue dans le quadrillé de l'avant d'Inox. On est quel jour déjà? Numéro 10, les frères. Numéro 10, que du numéro 10 dans ma team. Je l'ai mal articulé, mais extrait. Que du numéro 10 dans ma team. T'as remarqué que nous, on est de retour aux sources beaucoup. C'est sur notre chaîne. Il y a un truc qu'on a fait et qui a plu aux gens à l'époque. C'est tout simplement un site de quiz qui s'appelle Kipo Quiz. Oh, Kipo Quiz, la bonne. Ça parle comment? Et il y a un truc quand même qui est important, c'est la phrase. On en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz, qui doit être dit très vite de manière aiguë. 3, 4. Attends, mais surtout, je viens de me rappeler un truc, parce que c'est fou que je viens seulement de me rappeler. On appelait des gens au hasard. Ouais. Dire qu'on va. Attends, est-ce qu'on doit appeler des gens au hasard? Bah, franchement, mon gars, vas-y, let's go. Attends. Venez, on en fait qu'un au pire. Moi, mais oui, on répondait au quiz. Mais là, oui, tu, mais on va pas. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On va faire à moitié. Mesdames et messieurs, le concept est le suivant. Nous allons sur un site de culture générale qui s'appelle Kipo Quiz. Et celui ou celle, en l'occurrence celui qui répond mal, donne son téléphone aux deux autres qui scrollent. Mais pourquoi? Qui scrollent, qui scrollent n'importe où dans le répertoire et qui appelle quelqu'un au hasard. La personne qui a perdu doit improviser avec la personne appelée. Bah déjà, qui commence? C'est le dernier qui dit pluk. Tu commences. Ok, bon les gars, j'ai même pas eu le temps de répondre. On lance le quiz, c'est parti, vrai ou faux? Le requin mécanique dans Les Dents de la Mer, le grand classique d'horreur de 75 que tu as vu, s'est brisé plusieurs fois durant le tournage. En fait, la question elle est formulée pour qu'on mette vrai. Ça roule. Yes! A chaque fois il y a Inox avec son, yes, avec son avec fluide. Son vrai ou faux, c'est la ruée vers l'or qui a poussé des millions d'Irlandais amis. Très connu, bien sûr que oui, ça enchaîne. Yes! Actuellement, je scroll Inox. Actuellement, tu scrolls. Nanana, tu scrolls. Stop! Mimimati. Mimimati, c'est Ange Gardien. Ange Gardien, tu es là? Mais frère! Rigolez pas! Allô, oui. Allô, Mimi, ici, bonjour, excuse-moi de te déranger, c'est Carlito de YouTube. On avait fait l'émission de Jean-Luc Reichmann. Ah, bien sûr, on avait fait, bien sûr, tout à fait. Je suis absolument désolé de te déranger. Je t'en prie. Juste un truc que je voulais te dire, c'est bizarre, mais en fait, je travaille beaucoup là. Tu sais, avec David McFly, mon ami, on est très en mode bienveillance, en mode soutien. Et oui. C'est juste une pensée que j'avais, parce que j'ai vu ça en stream la dernière fois, parce que je fais des streams sur Twitch. Bref, je vais à l'essentiel. Peut-être que t'es pas au courant, auquel cas c'est maladroit, mais sur les réseaux, sur TikTok, les gens s'amusent à dire un tel ou un tel est décédé. Je sais pas si t'as entendu de ces conneries là. Oui, j'ai appris ma mort. Comme j'ai beaucoup d'annonces, j'ai appris ma mort depuis une semaine, je meurs beaucoup. Voilà, exactement. Putain, c'est drôle. Et bah, je voulais juste te dire qu'il y a des gens comme nous, des créateurs de contenu, qui sommes contre ça et que ça nous emmerde et que je voulais juste apporter ton soutien. Parce qu'en vrai, quand. C'est super gentil, c'est chouette, merci. J'en profite pour dire un truc. Imaginons, là c'est pas le cas, on est au téléphone, mais imaginons qu'il y ait plein de gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. On leur dirait peut-être d'arrêter ce genre de truc qui n'est pas marrant. Bah, oui, c'est possible s'ils en ont. Se consacrer à d'autres gens moins sympas et plus cons, bah je suis d'accord. Ah, faites pseudo-mourir des gens cons, ça j'aime bien. Voilà. Merci Mimi. Bah, merci. Ciao. À toi. Bisous. Et bonne continuation. Bisous. Ciao. C'est mon. Non? Mec, bien joué. C'est mon stream qui m'a sauvé. Mec, c'est ça, c'est bien. Vraiment, bien joué. T'as vraiment été chaud. T'as eu une machine. Hein. Ça, c'est vrai. Il a une séquence, lui, il a du poulet, tranquille. T'as apporté du bonheur aussi. Ouais. Ça fait plaisir. On va te prendre. La réponse est fou. C'est parti. Le mot échec est correctement écrit dans J'ai connu beaucoup d'échecs au jeu d'échecs. Mon roi est toujours en échec. C'est faux. C'est faux. Ah, pourtant, c'est vrai. Dommage. C'est la première défaite de la vie. Allez, on scroll. Lob, c'est Seb Lob? Bah, je crois, mais c'est le vrai. Je sais pas si c'est le vrai. Mais non, mais. Salut Seb, ça va? J'ai acheté une nouvelle Audi. C'est pire, rien. Mais me regarde pas, Christian. Allô, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas Sébastien Lob? Pas vraiment, non. Je suis Marie, donc j'ai travaillé avec Sébastien pendant des années, donc et vous qui êtes-vous? Ah, vous avez travaillé avec Sébastien quand même? Bah oui, c'est pour ça qu'il y a. En fait, je vous explique. Je prépare un projet parce que je m'appelle. Enfin, je fais des vidéos sur YouTube, d'accord? Et en fait, vous avez peut-être vu le Grand Prix Explorer de Squeezie, peut-être que ça vous a parlé, le GP Explorer. Et là, je voudrais faire un jeu d'échecs Explorer. Et en fait, je voudrais en fait que ce soit un tournoi d'échecs avec des grands gens, des grandes. Enfin, des personnes qui ont conduit des voitures. Je suis désolé, j'ai pas. Laissez tomber, mais lui, jamais il fera ça, je crois. Mais bon, après. Parce qu'en plus, il faut conduire et jouer aux échecs en même temps, c'est ça que j'ai pas dit. Ah oui, alors ça va être. Peut-être pour des questions de sécurité. Peut-être pour des questions de sécurité, maintenant que vous le dites. Je vais annuler ce projet à cause de votre retour. Merci beaucoup en tout cas. Merci Marie, désolé de vous avoir importuné en tout cas. Et n'hésitez pas à devenir Sébastien Lob. Merci. Merci. Au revoir. Oh, la peine,
Il fait mal, mais oui. T'as géré. Genre, t'as de l'expérience, t'as, t'as fait ce que t'as pu. Bon, écoute, on dit souvent langue française, inox et tout ça, c'est le moment. T'es pas nul, tu crois que t'es nul. Non, je suis vraiment nul. Dictée, on peut pas faire mieux. Dictée, voilà. Vrai ou faux, la phrase timbale et cymbale sont des paronymes ne contient pas de faute d'orthographe. Là, même le raisonnement, ça va être compliqué. Ça veut dire quoi déjà? Timbale et cymbale sont des paronymes. Il y a le S, il y a pas de faute. Ça y est, enfin! Ça y est, mon ami. Enfin! Rien. Et ça scroll, 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 et ça scroll. Stop! C'est Lio Seb. Oh, c'est le patron de Célio. Oh, Sébastien Bismuth. Oh, oui. Parlez de nous. Parlez de nous parce qu'il a... Nous, c'est fini avec eux. Dis-lui un truc. Oh là 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 là. Oh non. Oh, ça, c'est dur. Oh, ou alors tu dis, vous devriez arrêter avec GMK. Il a pas la taille des vêtements. Allô, Seb. Oui, Inox. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Je voulais savoir, je voulais t'appeler pour parler d'un truc à propos de, tu sais, en vrai, tu vois, j'aimerais faire une autre collection avec McFly Carlito et en mode, il y a nos trois têtes sur le t-shirt, t'en penses quoi? Attends, une collection avec McFly et Carlito, t'as tes trois têtes sur un t-shirt? Mais McFly et Carlito, je trouve que ça peut être pas mal sur les suites, non? Ah non, mais ils ont aucune légitimité mode, t'as vu comment ils s'habillent et tout, tu vois? Et eux-mêmes me disaient, on n'y connaît rien en fringues, on veut surtout pas faire de collection de fringues. Nous, on s'habille justement chez Célio en mode basique. Enfin, moi je pense que c'est pas un bon buzz. Hein. Mais en vrai, les gars, ça m'a fait trop plaisir de faire cette petite séquence avec vous. J'espère que ça a fait plaisir aux gens de revivre les petits kippo quiz de l'époque. Mais ils le diront. Et les amis, tous ceux qui veulent, bah allez suivre les vidéos de McFly et Carlito, ils sont revenus et ça fait plaisir. Trop bien, mec, merci. Bon calendrier de l'avant. Merci. Ouais. Et du coup, la vidéo se poursuit là. Ouais, ça continue. Oh là là, à demain, les frères. Quel c'est parti. Les amis, je suis pas là demain, donc on va ouvrir la 12 et la numéro 13. Let's go. Case 12, soirée, raclette. C'est quoi ça, les gars? On fait juste une raclette. Bah ouais. Ok. Ça régale. Mais pourquoi tu fais le mec qui grille à chaque case que t'ouvres? C'est Noël, mec. T'as perdu la magie, gros. C'est vrai. Non, raclette, c'est incroyable, en vrai. Je suis fou. Soirée, raclette, hein, trop bien. Youpi, let's go. Et 13. Smash Bros au rasage. Oh, c'est Sergo, il est chaud? Ouais, il est très chaud. Oh là là, bah alors ça va être question. On commence par Smash Bros. Ok, les amis, je sais ce qu'on va faire. Une soirée Smash Bros avec Sergo. S'il perd, il se rase la tête, boule à zéro. S'il gagne, il gagne un iPad. Ça, c'est carré. Et ensuite, on enchaîne avec une raclette avec l'équipe. Let's go. Ok, allons chercher Sergo à son bureau. Oh! Bien ou quoi? Les amis, ça travaille chez Webedia, tranquille, Sergo. 1v1 Smash, tu gagnes, je t'offre un iPad de fou, tu perds, t'es chauve. Et les amis, on n'a pas pris n'importe qui, il a les cheveux qui poussent depuis tard les années 1994. Frérot, ça fait 6 ans, mes cheveux, ils poussent. Allez, viens. Mais au combien? Mais au 5. Est-ce que Sergo va être chauve ce soir? Mec, toi, fais Kazuya vs Kazuya. Kazuya versus Kazuya. 3, 2, 1. Oh, ça tout le monde. Prends pas tes cheveux, Sergo. Tu t'as raté plus. Non! Bien, ouais. Pour le contenu, je propose un deal. Des AirPods Max pour tout le monde, rase la tête. Qui te double? Soit tu gagnes ce combat et je te paye l'iPad et je paye AirPods Pro pour tout le monde. Soit tu perds, tu fais boule à Z. Attends, mais moi je gagne quoi? C'est pour les autres? C'est parce qu'il peut doubler, toi tu peux pas doubler dans la vie. C'est pas pour nous, les gens qui doublent, c'est pas pour nous. Pour le contenu, je refais. Non mais faut que t'aies un truc à gagner. Pour un téléphone. Mais t'as déjà un téléphone. Il est mort, frère. Pour une télé, j'ai pas de téléphone. Ok, télé plus un iPad qui tout double. Je suis tombé dans le vide. Tellement heureux, attends, frère. Il m'a mis la pression, frère. Oh, il a dit heureux. Malveillance Max, coupe chauve. Les amis, la malveillance Max a opéré. Voici le après de Sergo. Mais oh, wow, c'est incroyable. Mais attends, mais moi je me suis pas vu, le frérot. J'ai juré, ça va de fou. T'as un crâne d'œuf de ouf. T'es un Kinder Surprise. T'es à ton prime. Mais tu viens de dire Kinder Surprise, je veux pas dire prime. Regarde.
Mais gros, moi je kiffe ça. Ça va? C'est mieux qu'avant? Avec la grosse barre et tout là? Tu sais que c'est plus stylé. Hein. Viens voir. Je te jure, ça te va mieux. Mais les gars, j'ai une tête de frère. T'aimes pas ou t'aimes bien? Je crois que j'aime pas, hein. Je crois que j'aime pas. Moi, je dis dans deux jours, tu dis. Ouais, que tu il faut vraiment le temps de s'habituer. Eh, hey, dites-lui qu'il est BG merde. Comme ça dans les commentaires. Dites-lui qu'il est BG. T'as joué le jeu, frère. T'as joué le jeu, eh. Hey, bien joué, hein. T'as porté tes couilles, gros. Mec, il a porté ses couilles. 6 ans de cheveux, c'est fort. Oh, 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 oh. Les amis, petite raclette, ça bouge pas, des bons fromages, et merci les produits laitiers qui nous ont régalé. Les frères, je propose de ce bon moment en famille pour qu'on raconte une anecdote de cette année ou des tournages de ce qui s'est passé croustillante à montrer à la communauté. Commençons par Ferdinand Maupin, raconte une anecdote de tournage qui s'est passé avec moi, comme tu travailles avec moi depuis maintenant 3 ans. Un an et demi. Ok. En début d'année, t'étais censé faire une OP pour une marque de rasoir. Mais je l'ai fait ça. Rasoir électrique. Non, on n'a jamais publié le contenu, gros. Pourquoi? Parce que t'as envoyé une vidéo où tu te rasais les couilles, gros. Ouais. Mais tu l'as vraiment fait. Mais tu sais que j'avais ça, semblant, ouais. J'ai fait, ouais les gars, c'est pour la barbe, c'est trop bien, mais c'est aussi utile pour... Et après ça que j'ai le rush. Ah, putain, et bah, on met le rush. Voilà où je voulais en venir. La tondeuse est exceptionnelle, elle peut même survivre à l'eau, elle est étanche. Donc vous pouvez tous l'utiliser. Mais il y a un accessoire, c'est celui-là. Et si je le mets... Je peux pas raser les couilles. Ah bah en vrai ça passe, honnêtement. Et bon bah, Mathieu, à toi de raconter une mini-anecdote. C'était en Islande, c'était le début du voyage, c'était l'enfer. On trouvait pas de camping, on s'est décidé, on s'est arrêté sur le côté. Et il y avait un hôtel pas très loin. On a passé genre 2 heures dans l'hôtel avec Flash et Thomas. On revient au van, qu'est-ce qu'on découvre à côté du van? Non mais attends, putain, c'est pas humain ça. C'est pas humain ça? Non, c'est pas humain, c'est pas humain. C'est une dinguerie la merde. C'est toi gros, y'a que toi hein. Gros, c'est pas WAM. C'est quoi pour éviter le doute? C'est simple. Non mais tu peux rigoler tant que tu veux. Une énorme merde. Mais genre toute fraîche. Mais genre mais bonne fraîche. Et la vérité, c'est pas moi. Limite, il y avait de la vérité, fumée. Je vous le dis, ce n'est pas un animal qui a fait ça. Bon, changeons de anecdote, Thomas. Moi, j'ai une anecdote d'un bourbier. Oh. Parce que tu m'avais souvent mis dans des bourbiers, mais là, ce bourbier-là, il m'a marqué. Toi, t'as pas l'habitude de faire des OP de crème, des OP de produits de beauté, etc. Mais une fois, il y a une marque qui s'est dit, tiens, ça pourrait être stylé d'essayer. Tu sais, les OP de crème, normalement, tu vois, t'es en mode. Oui, alors là, vous appliquez la crème 3 fois par jour, machin, et ça vous libère les pores, tu vois, tu donnes des termes un peu techniques. Lui, il m'envoie la story, il se frotte les joues comme ça, hop, et d'un coup, il enlève ses mains, et là, il y a un filtre Venom avec la langue qui tire, et il fait... Les gars, je suis le premier mec à mettre un nettoyant du visage. Je suis quand même un crack, mais il faut le dire. Wesh, Théma, c'est la tête de moi, je savais pas. Théma, c'est noir. Oh ouais, frère, c'est Venom, là. Les gars, c'est normal, là? Et du coup, je lui dis, mais mec, faut la refaire et tout. Il me dit, oh non, non, on voit comme ça, c'est trop drôle. J'envoie. Bon, la cliente, elle était choquée, elle me dit. Elle était choquée par de baiser. Elle pensait on la prenait pour une conne, genre. Elle était vraiment choquée. Et au final, et le pire du pire, c'est que du coup, je suis allé au charbon pour toi. Et gros, la story, elle est passée. Après ça, j'ai plus jamais. Après, ils sont jamais revenus, frérot, ils avaient trop de seum. Mais le but, c'est que ça soit dans mon ADN. Je me vois pas faire un truc, faut que ça soit drôle, quoi. Bah, c'était drôle, mais je pense pas que ça a vendu des crèmes, frérot. Aaron, raconte une anecdote. Moi, j'ai une anecdote, il y a. Ouais, 2 ans et demi, on est parti en Égypte. C'était un peu la galère à ce moment-là. Et du coup, mon daron, il m'avait filé des billets, tu vois. Et je les ai mis dans mon bail. Il m'a dit, ouais, bah tiens, je te file ces billets, comme ça, tu vas faire ton contrôle technique pour la voiture. Et je me dis, vas-y, je rentre d'Égypte, je m'occupe de ça. Et du coup, vous vous souvenez de cette vidéo, il y a un billet de sang. Ce billet de sang, c'est le mien. C'est un vrai billet. J'avais prêté, il me l'a jamais rendu. Alors là, il est là pour régler ses comptes, là. Ce billet, il est sur la miniature, genre. Il est sur la miniature, le billet de sang, il est sur la miniature. Ah non, c'est trop bien cette anecdote. Oh, 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 oh. Jour numéro 14. Il est où la suite? Numéro 14. Pas d'idée pour cette case. C'est un troll ou... Oh, 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 oh. Aujourd'hui, c'est jour numéro 15. Let's go. Petit bout de papier, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. Et qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Un colis exceptionnel t'attend devant la porte. Viens, va voir, mon chien. Viens. Regarde le colis qui nous attend. Tu sais que même moi, je sais pas ce que c'est. Hein. Regarde-moi ça, mon ami. Toi, tu sais pas ce que c'est? Non. Moi, je dois recevoir un colis depuis 2 mois. Si c'est celui-là, il y a plus de 50 000 euros dans ce colis. Oh oui, c'est ce colis.
Alors les amis, c'est pas un placement de produit du tout. C'est juste que à l'époque, il y a 2 ans, j'avais acheté des clones. C'était sur internet, c'était tous les trucs NFT et tout. J'avais acheté parce que j'avais vu qu'ils avaient fait une collab avec Nike et que si on achetait le truc, on pouvait avoir des paires exclusives. Moi personnellement, c'est un projet qui m'a plu, ça me passionne parce que c'est de la sneakers et tout. Mais encore une fois les amis, faites attention à tout ce qui est NFT, projet comme ça. Des fois, vous pouvez vous faire arnaquer et tout. Moi, je promets pas ça du tout. Moi, c'est juste un kiff perso. Et comme je me suis dit, je vais recevoir une paire de zinzin, je me suis dit que c'était quand même dommage que je ne vous la partage pas. Donc, c'est pas une OP. Par contre, regardez-moi ce que j'ai reçu. C'est une paire. C'est des paires qui sont introuvables. Il y en a 4. Il y en a quoi? Il y en a 4. Attends, mon ref. Je crois qu'on est dans les premiers à pouvoir les avoir comme ça. Les 4 comme ça. Un sac pour la paire, carrément. Wesh. Bon, celle-là, je suis pas trop fan. C'est vraiment une paire collab Nike Clonix. C'est moi, il y a le truc du clone là. On ouvre la prochaine. Et c'est la paire qui coûte 50 000 ou c'est le carton? Non, non, il y a une paire dans les 4 qui vaut 50 000 euros. Deuxième paire. Voilà, celle-là, je vais la coffrer quelque part. Mais cette paire, c'est la paire que j'attendais depuis 1 an, les frères. Nike Clonix X Murakami. Frérot, elle est exceptionnelle. Bon là, il y en a, ils vont dire elle est affreuse hein. Mathieu, dans sa tête, il se dit elle est abominable. Mais les gars, vous vous rendez pas compte que cette paire, c'est une paire de zinzin. Ça veut dire elle est introuvable. Je crois qu'il y en a 200 mondes et elle vaut à l'heure actuelle 50 000 euros. En fait, c'est dur de se rendre compte, mais c'est comme si je te dis X Travis Scott, c'est genre là, c'est Murakami, c'est un artiste japonais, les amis, très connu, et il a collaboré avec cette paire et en fait, c'est pour ça que je suis le projet parce que mec, c'est une pépite. Du coup, c'est l'une de tes paires les plus... C'est ma paire la plus rare de toute ma collection, les gars. Les amis, je vais faire un post Insta avec cette paire, il va être magnifique. Petite Air Force One, du coup, Murakami Clonix, elle est incroyable. On va voir ce qu'il y a dans les autres. Frérot, la matière, elle est exceptionnelle, gros. Et la dernière, bah c'est un peu la même, tu vois. Mais moi, je préfère celle-là, tu vois. Ah ouais, y a pas le côté. Elle brille moins. Y a un truc de texture un peu reptile, là. Putain, elle déboîte celle-ci aussi, frère. Celle-là, elle est énervée. Hein. Celle-là, elle est énervée, gros. Mmh. Celle-là est vraiment stylée. Hein. Ça, c'est que des éditions très limitées, les gars. Et la Murakami, putain, choqué. Oh, 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 oh. Thomas, j'ai un capteur. On n'a pas ouvert la case du calendrier de l'Avent aujourd'hui. Bah non, mec, on l'a pas ouvert. On est combien? On est le 16, là. 16. Mais Mathieu, il est toujours pas là, frère. Toute la journée, il a pas répondu à son tel. C'est chaud ou pas, du coup, si Mathieu est pas là? Bah, ouvre quand même, ouais, faut qu'on avance, hein. Qu'est-ce que c'est que ce parchemin? C'est la première fois qu'on a un parchemin dans le calendrier. Si tu veux revoir ton gars Mathieu, rejoins-nous à cette adresse. Wesh, les gars, faut qu'on aille rejoindre si Mathieu. Revoir ton gars Mathieu, bah on s'en bat les couilles, nous. Bah, c'est bon, en fait. Fin de la vidéo. Non, venez, on y va. Mais il a écrit revous. Rejoins. Ah, c'est ton monteur qui a écrit. Il faut aller dans la forêt, hein. Exactement. C'est dans une forêt? Ouais, c'est dans une forêt. Et bah go, on va sauver Mathieu. C'est dans une forêt? On va sauver Mathieu, les amis. Mais l'année dernière, tu nous as ramené dans une forêt encore. Mais come back, les amis. Encore un fourmier. Bon, les amis, on est arrivé. Ouais, je pense, garde-toi là, hein. Bon bah let's go hein. Il y a les traces de Mathieu. Non, mais c'est vraiment par là? Oui, je pense que ça doit être par là. Mais c'est quoi ça, ce passage inter... Les gars, je vous promis, la prochaine fois on ira aux Bahamas. Frérot, ça tu dis ça à chaque tournage, mais oui. Depuis 2021 tu me dis ça. Bon, on y va? Aux Bahamas? Non, là dans la boue. Ah, pas aux Bahamas. Oh, attends, Thomas, filme devant toi. Oh, elle est encore enculée. Non mais ça c'est... Les gars, j'ai une malédiction dans... La localisation c'est pile ici. Les gars, wesh. Il y a une pompe. Une bombe. C'est la pompe de Mathieu. Ah, je savais que Mathieu il pompait, mais... C'est la chaussure de Mathieu, les frères. Non mais les gars, c'est un donjon, c'est pas une mosquée. Zarma, il enlève ses chaussures avant de se faire kidnapper. Ok, les gars, ça doit être par là, alors. Mathieu, ta grand-mère. On va à gauche ou à droite? Moi, je vais prendre un chemin tout seul. On se retrouve plus tard, les refs. Mais non, tu crois une grosse Scooby-Doo, quoi. Mais arrête. Arrête. Il y a le toit qui tombe par terre. Où ça? Il y a un chat. Un chat. Mais comment t'as pu confondre ça avec un chat? Non, c'est son froc. Il est vraiment venu ici pour se branler. Non. Oh, il pue sa grand-mère. Il pue sa grand-mère. On est d'accord, ça pue. Arrête de mentir. Non, sans le, il pue la transpire. Oh. Tu sais qu'il pue vraiment. Ah ouais, c'est vraiment, c'est Mathieu. Là, y'a pas de doute, là. Non, c'est une dingue. Mais wesh, t'es malin. Ça fait pas des... Attends, chut, chut, c'est quoi ce rocher? Ah non, c'est le crâne d'Idriss. Oh, oh, y'a la mèche de Mathieu. Attends, wesh. Les gars, y'a un truc rouge. My big burger. Des arabes. C'est
quoi, qui y va? Qui mais les gars, y'a Roberto Carlos. C'est quoi cette fils de fou? Fallait se rébattre, il l'a décrit. Organise-moi un date avec lui, je te jure, le projet chart, c'est quoi ça? Les gars, faut pas qu'on se perde. On arrive, Mathieu. Mathieu, il fait chier à traîner dans ce genre d'endroit. C'est ça, il est mort, c'est bon. Allez, ça y est, lui. Eh, viens, on prend des pierres. Ah, ça y est, voilà. Il fait quoi, mec? Il fume une chicha. Ça se passe? J'ai plus de cadeaux pour les enfants. T'as plus de cadeaux? Je suis dégoûté, laissez-moi tranquille. Ça sort du five, là? Ouais. Entre Père Noël. Ouais. Entre pépère. Dangereux. Ouais, on se bouge. J'ai de l'âle. Philippe, je me sers plus comme un rocher. Bon, on sauve Mathieu, ok? On y va, on double Père Noël. Oh, ils sont trois. Rendez-nous Mathieu. Rendez-nous Mathieu. Il a du caca dans la barbe. Ok, c'est bon, ouais, Mathieu, tu fais quoi là? Vas-y, allez, Billy, porte-le! Bouge-le là! Mathieu, lève-toi! Mathieu! Faut partir! Mathieu, faut partir! Tu fais quoi? Grise, bizarre, tu faisais quoi? C'est la cuisse! J'ai du caca! À 2 mètres de la fin, on avait Mathieu, ils l'ont repris. Ils ont récupéré Mathieu. Ils l'ont ramené au fond du tunnel. Non. Bon, on est échoué. Ah, c'est bon, on a vu, il a envie. Ouais. Vas-y, les gars, on rentre à Webedia. Attends, une dernière tentative quand même. Mathieu, t'es là? Bon, il est pas là, on rentre. Ah, il est plus là, c'est mort, les gars. Ok, bah, vas-y, au calme. Vas-y, si bien, Mathieu. On revient. Voilà. Vas-y, les gars, la voiture, elle est garée là. Ça rejoint à Smash, on rentre. Ouais, on fait un Smash. Si, Smash. Eh, son Pikachu, j'étais à deux doigts de l'avoir sur la dernière. Mon souci, c'est que j'ai du mal à finir sur Smash. Oh! Hey Sou, on est quel jour, mon loulou? On est jour numéro 17. Tu vois, il vient de me le dire à l'oreille, là. Tu ouvres la case, Ace. Hop! Bien joué, ça! C'est ça, mon chien! Un duo expert en tech t'attend devant la porte. Exo. Oh! Wesh! Ça va, les gars? Comme c'est prévu, quoi, ce bordel? C'est un PC, quoi. Je te fous de ma gueule. Encore un PC. La dernière fois, on est arrivé avec le mur là pour chez toi. Dans la vidéo, on avait dit que si on atteignait le nombre de likes, on offrait un PC encore mieux à la commune. Oh, le PC de baiser. Donc, ça, c'est pour la communauté là. Ouais, ça a gagné. Et comment il a gagné? Attends, d'abord on l'allume. D'abord, viens voir. Oh, le PC de baiser. Vous l'avez fait vous-même? Ouais, on l'a monté. Il est incroyable. On a une centaine sur le marché, tu vois. Après, les composants, on a fait nous-mêmes le PC. Mais c'est une édition hyper limitée. Il m'avait envoyé mon PC chez moi, vous vous en rappelez, juste là. Et on avait promis que s'il y avait un certain pouce bleu atteint, ça sera pour vous le prochain. Et donc, il est pour vous. Il est dans la description. C'est un concours Instagram sur ce post. Je vous remets leur Instagram ici. Et il y a le lien dans la description. Allez participer et vous pourrez tenter de le gagner. Let's go. Bien joué les gars. Merci pour la commu. C'est carré. Les amis, jour numéro 18. Sans plus tarder, on ouvre la case. L'antagoniste de ton manga préféré t'attend dans les cartons. Y a rien dans les cartons. Peut-être que c'est bien au studio. Wesh! Surprise! C'est toi l'antagoniste, Alex? C'est moi. Les amis, si vous savez c'est qui Alex, qui est devant mon studio, c'est pas n'importe qui Alex. Quand j'entends Alex, j'entends Tsume. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que dans mon studio, il y a une figurine de fou. Il y a des choses sympas. Ok, on va suivre Alex. Oh! Comment elle est énorme! Wesh! Ça va quoi, David? Ça va, tranquille? Et toi? Bien? Wesh, la singerie! Mais elle prend tout le studio! Non, les gars, elle est exceptionnelle. Là, c'est la figurine of the all time. Comment elle est incroyable, les gars. Eh non, tu sais que je m'y attendais pas. Tu sais qu'en plus, en fait, Alex, quand Barbe Noire est sortie, j'étais venu au Tsume Store. Je t'avais dit, Alex, il me la faut, celle-là. Mais normalement, elle est pas sortie encore, là, Alex, je comprends pas. Tu t'exclus. Effectivement. En fait, comme tu nous donnes de la force, et on a tenu, en fait, à te fournir le premier prototype. Donc là, il y en a qu'une dans le monde, elle est là. C'est celle-ci. Oh, exactement. On ça, c'est votre plus grosse figurine. Ouais, exactement. En fait, on est sur une gamme ultra HQS. Et du coup, c'est vraiment là où on a mis le plein potentiel de toute notre créativité. L'idée, c'était vraiment qu'on se fasse plaisir. Mathieu, Thomas. Wesh. Frère, elle est énorme. Dis-moi si c'est pas la figurine of all time, frérot. Elle fait ma taille. Elle fait ta taille,
gros. Si vous voulez comparer à ma taille, regardez. Hein. C'est de la folie. Elle est exceptionnelle. Tous les détails dans la tornade, il y a carrément des livres. Là, t'as une petite photo. Il y a des avis aussi. De recherche. Il y a une petite photo ici. Mais même le noir à l'intérieur, il est très noir, genre. Exactement. C'est totalement le but, en fait. De justement montrer, tu sais, que c'est très sombre. Tu sais, son pouvoir, il est massif. Et donc, l'idée, c'était vraiment qu'on puisse jouer sur les teintes. Justement, là, tu vois aussi, là, de ce côté-là, tu vois le personnage qui est aplati. Mec, c'est de la folie, les détails. Les amis, dans les commentaires, dites-moi si vous kiffez. Mais je la trouve exceptionnelle. En tout cas, merci infiniment de m'avoir ramené ça au studio. Je sais pas comment. Mec, c'est mon cadeau de Noël, tu vois. Et il en reste encore pour ceux qui en veulent. Peut-être que là, au moment où je vous parle, elles sont déjà peut-être plus disponibles. Mais pour ceux qui le souhaitent, il y a encore la waiting list. Donc il se peut qu'avec des désistements, vous puissiez encore la récupérer. Il y en a combien au monde de celle-là? 1200 pièces. 1200 pièces et il y en a pas plus, quoi. Il n'y en a pas plus. Bah, les amis, j'ai la seule au monde pour l'instant. Bah, merci, les gars. Merci beaucoup. Oh, 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 oh. Jour numéro 19. Le meilleur pote d'Ace attend devant la porte. LA meilleure pote d'Ace. Ah mais, j'ai entendu. Gros, c'est qu'il a senti Yuki avant même qu'elle soit devant la porte. Ah ouais. Ça va quoi le sang? Ça dit quoi, bien? Ça fait plaisir que tu sois là, gros. En plus, j'avais un cadeau pour toi, gros. Mais non. Si. Comme l'année dernière ou pas? Comme l'année dernière, j'ai un petit cadeau. Et l'année dernière, je t'avais offert quoi comme cadeau déjà pour rappeler aux gens? Un cadre, on était tous les deux en cadre. C'était la bonne école. Il était incroyable. C'était la bonne. Oh. Mec, je regrette que tu l'aies plus. Mec, c'est bon, les deux, ils sont contents, ils se voient. Ouais, ils sont grave contents, ouais. Ouais. Je pense que Yuki est grave content. Je crois qu'ils sont plus meilleurs potes. Yuki, elle déteste, ouais, le E. Non, ouais, le D. Oh, si elle le déteste, c'est un peu. Comment le mais là pourtant, Ace il est gentil avec elle. Là c'est elle qui est vraiment en vrai, mauvaise. T'as vu, il abuse pas là. Non, là il abuse plus. Hein. Il est gentil là. Regarde sa patte. Il a chien. Wesh, Yuki, elle l'a. Comment elle a chiqué, Yuki? Allez, va là-bas. Laisse Yuki tranquille. T'es ma, comment il pousse la porte. Regarde cet harceleur de rue. C'est bon, il va se. Wesh. Mais mec, mais c'est un malade. Bon, mon petit biche, petit cadeau. Pas comme l'année dernière. T'aimes pas? Non, on va pas le garder. Mec, tu régales. J'ai reçu un surplus de paires. Ok. Que j'avais commandé. C'est une paire édition limitée, genre, il y en a que 300. Genre. Ah, c'est dinguerie déjà. Je déballe. Je te laisse faire l'unboxing. Je connais pas. La boîte a l'air incroyable, mais je connais pas la marque. Tu vas vite connaître la marque quand t'auras ouvert l'emballage du paquet. Attends, mais c'est pas une dinguerie ça? C'est un truc, oui. Attends, parce que je connais pas exactement, mais Clone X. Tu ah, connais. Mais c'est Nike. Et mec, comme j'en avais une en plus que j'allais pas forcément mettre, je me suis dit, j'ai pensé à toi, je savais que tu venais aujourd'hui. Mais elle est banger de. T'aimes bien ou gros? T'aimes bien? Elle est banger. Hein. Gros, si tu valides, je suis content. Mec, ça régale, juste c'est pas ma taille du coup, c'est 43, non? Merde! Non, c'est un demi. Je suis du 41. Ah, mais j'avais pas pensé à ça, frère. Je me suis dit, c'est la même taille que moi. Oh non, j'ai le seum là. Mes collections, tu connais. Oh, 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 oh. Papa Noël. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais avec un cadeau? Avec un cadeau, les gars. Petite bûche de Noël, c'est pour ce midi. Et là, mec, on a des petits cadeaux. Pour nous? Ouais, viens. Oh, midi. T'as vu comment il a grandi, bro? C'est ma vie, bro. Bon, Pidi, viens, Valouz, viens. Attends, mais tu nous offres là, tu viens d'arriver. Venez à côté de moi. On vient de t'ouvrir la porte, tu nous offres des cadeaux. J'ai une demande à vous faire en vidéo. Vous devez le faire. Je vais vous offrir ces cadeaux. Vous allez monter en haut et vous allez redescendre. Mais tu vas nous habiller en mariée ou quoi? Ça marche ou pas? Bah, vas-y. Hein. Mais pourquoi il rigole? Mais il rigole parce que c'est le cadeau, c'est le meilleur cadeau qui existe. Je pense que j'ai trouvé le meilleur cadeau pour vous trois. Ah, mais c'est genre un truc matchy-matchy. C'est un truc pour vous trois. Ah, pour le petit aussi? Oui, oui, il y en a un chacun. Dragon Ball Z. Bon, toi, t'es Vegeta. Elle, c'est Bulma. Et lui, c'est Sangoku. Pourquoi tu nous avais fait ça? Parce que c'est bien, c'est en mode c'est pour la photo Insta quoi. Valouz il a trop de ça. Ça fait plaisir. C'est ça? Bah moi je pense que c'est original le cadeau. Je pense avoir des grosses chaussures artefacts ou non, je rigole. Genre Murakami. Oh c'est trop. Regarde, avoue il est trop stylé. Par contre c'est super mignon. Dis bonjour. Non il parle pas encore. Eh, imagine j'arrive à le faire parler là. Bonjour. Bonjour. Il en a rien à péter. Hein. Bon, on va mettre notre super. Allez, les amoureux, allez, le déguisement. Yes, mais si on va ici. Oh là là, ça c'est une team de la Japan Expo. Oh là 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 là. Non, mais vous êtes exceptionnel là. C'est le Vegeta. Oh, c'est le Vegeta. Regarde les pompes. Eh non, mais les amis, est-ce que c'est pas magnifique ça, une famille? Bah alors, Ace. Voilà. Mais t'es mal là, les potes, ils ont les bottes et tout. T'es mal, mes pompes, frère. Eh, il est pas trop grand pour lui alors? Ça un peu va, un petit peu. Au moins, ils vont le garder longtemps. Ouais. Mec, vous êtes trop beau là, vous voulez une photo ou pas? Vas-y. Allez, je vous fais une photo.
Je vous l'enverrai. Mec, bon. Mais du coup, c'est cette viande qu'on se tape, mon petit vieux, aujourd'hui ou pas? Ouais, petite viande maturée 62 jours. Oh lolo lolo. Les amis, on va passer à la planche, hein. On trinque à la belle année 2023. Et à 2024 et qui à arrive. Et 2024 qui arrive, joyeux Noël. À ton projet de l'Everest. Mmh. Oh le goût. C'est bon. Oh la viande. C'est bon, j'ai eu mon orgasme culinaire. Oh 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 oh. Case numéro 22. Nourris tes poissons. Celle-là aussi, t'avais pas beaucoup d'idées. Pas transpirer. Ok, on va nourrir le poisson. Oh, Marge, Marge, j'aimerais un poisson sucré au pavé de saumon. Et ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Les amis, regardez mon aquarium, ça fait maintenant 3 ans et demi que je l'ai. Le Vogneri toujours intact, les poissons toujours heureux. Et comme ils me connaissent, moi j'ai dressé les poissons. Quand je mets mon doigt ici, ils viennent tous. C'est juste parce qu'ils ont la dalle là. C'est pas faux. Non, 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 il pleut de bouffe à poisson. Bon appétit les gars, on se revoit plus pendant un mois. Allez, ciao. Mon Tamagotchi, mon Tamagotchi. Il a éclos au bout de 6 jours et demi. Il est là, regarde, il bouge. Tamagotchi, Tamagotchi. Oh, 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 oh. On y est, on est le 23, mais la vidéo sort le 23, donc je vais ouvrir 23, 24. Je vais ouvrir la 24e case de ce calendrier de l'Avent. C'est parti, let's go. Et 24e case, je suis au courant, les amis. Il y a quand même le papier. Il est l'heure de régaler un abonné. Les amis, je suis au courant de cette case. Bon, il y en a peut-être qui le savent pas, mais tous les ans, je vais courir pour les enfants qui ont le cancer. Donc voilà, c'est une association qui s'appelle Imagine for Margot. Voilà, parce que c'est une cause quand même qui me tient à cœur. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui me suivent, qui sont dans des lits d'hôpitaux, qui regardent mes vidéos. Donc aujourd'hui, on va aller régaler un abonné qui a malheureusement eu le cancer. Mais aujourd'hui, il est en rémission, donc c'est un vrai héros. Il a réussi à se battre, et là, aujourd'hui, il va mieux. Donc, on va lui faire le plus beau cadeau de sa life. On va lui ramener un setup de fou malade avec French Hardware. On va lui remettre un PC, etc. Il va kiffer, il a 11 ans. C'est parti, let's go, on va refaire sa chambre. C'est parti. Les amis, on va rejoindre Steven, le père d'Axel. Il est juste derrière cette porte. Ça va ou quoi? Bien, tranquille. Ça fait plaisir. Ça va ou quoi? Bien et toi? Carrément, tu me connais. Bah, GMK, les voitures. Ah, il regarde les vidéos alors, c'est parfait. On peut rentrer? Ben, allez-y, faites comme à la maison. C'est parti comme à la maison. Let's go. Donc là, il est pas là. Hein. Là, il est pas là. Tu lui as pas dit. Il revient vers 18h, il est parti au cinéma avec sa mère. Ok. Il se doute de rien. Juste qu'il attend dans un de tes plus grands de ses rêves, c'est un petit autographe du poteau. Ah ouais? Donc. On va trop bien. Mec, c'est-à-dire que là, ça va être une vraie surprise alors. Une vraie de vraie. Ah, bon, c'est parti, on va aller dans sa chambre. Allez-y, vas-y. C'est parti. J'en profitais d'être avec toi et qu'il n'était pas encore là et tout, pour que tu nous racontes un peu exactement ce qui s'est passé. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup de gens, je pense aussi, des abonnés qui sont malades, je pense, à l'hôpital et tout, qui ont chacun leur petite histoire et ça peut leur faire du bien aussi de voir que... Exactement. Nous, on a eu une année très difficile en fin 2022 parce qu'Axel a perdu son grand-père, mon papa, le 10 décembre. Axel avait déjà un petit peu mal au dos, il se plaignait, on a fait différents examens. Et le jour de la finale de la Coupe du Monde, en fait, Axel ne marchait plus d'un coup, et il pouvait plus marcher. Et on l'a emmené à l'hôpital Necker. Et Axel a été dépisté comme en ayant en fait un lymphome de Burkitt. Donc ce sont en fait des tumeurs que tu peux avoir. Il y en avait une ici, hein, mais qui ne nous inquiétait pas parce qu'on pensait que c'était les oreillons, une maladie enfantine. Et en fait, il avait une autre tumeur qui compressait sa moelle épinière. Il faut savoir que la moelle épinière, c'est quelque chose qui va remonter au système nerveux, qui va toucher à tout ce qui est sensibilité, marcher, etc. Exactement. Et donc ils l'ont opéré dans la nuit. Tumeur, c'est comme un cancer. Une tumeur, c'est un cancer, si je préfère. Okay, okay. Donc on est resté 3 jours à l'hôpital Necker. Et là, on nous a dit qu'il était transféré à Gustave Roussy. Donc c'est un peu là où on a compris. Je crois que en je suis allé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est possible. Je suis allé voir des petits et tout là-bas. On était à Gustave Roussy, qui est le premier centre d'oncologie. L'oncologie, c'est tout ce qui touche au cancer. Et là, on a été reçu par le professeur. Il nous expliquait les tenants, les aboutissants, combien de temps ça devait durer, avec un prévisionnel de 6 mois de traitement. Et au bout de 6 mois, normalement, il était censé ne plus rien avoir. Malheureusement, après, Axel, il a eu beaucoup de complications. Il a eu des infections pulmonaires, donc il est parti 2 fois en réanimation. Il a eu des infections cutanées qui lui ont fait comme des trous dans le dos. Et il a gardé un corset pendant 6 mois. Et en mois de juillet 2023, on est sorti de Gustave Roussy. Et à partir de ce moment-là, on est parti en centre de rééducation dans le 78, où ils ont continué, en fait, surtout pour la rééducation, la motricité. Il a eu des béquilles, il est très raide sur ses jambes. Et est-ce qu'il va pouvoir récupérer un jour ou... On sait pas. Compliqué.
sortir. Parce que malheureusement, en fait, Axel fait partie des 3 cas au monde. 3 cas au monde ? Ouais, où il y a eu des complications sur ce cancer-là. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est que le plus dur est derrière. Et que maintenant, bah, faut aller de l'avant, avec de la chance, avec de la force, avec des gens comme toi, qui vont lui donner en fait cette motivation en fait, d'aller plus haut, et bah, normalement, on le verra gambader dans quelques années. Ouais, ce sera incroyable. Et aujourd'hui, on va le régaler. Et là, tu vas le refaire. Je vais dire mon frérot. Là, tu vas le mettre très très bien. Je veux juste qu'il kiffe et je pense que tous tu les vas jours, marquer il... son escompte. Bon, bah, c'est le principal. C'est plus important au-delà du matériel. On va appeler l'équipe, on va débroussailler ce premier setup. Nos amis French Hardware arrivent. Ils arrivent, les bricoleurs. Et ouais. Les pros de l'ordinateur, les frères. Bon, les gars, on le régale ou pas? Alors, on a ramené un setup blanc et noir. Double écran. Comme sa maison, comme ça. Comme la maison. Double écran, gros PC. Là, il peut jouer à tous les jeux. Ouais, tranquille. Allez, c'est parti, installation. Le setup en entier. C'est parti. Après une bonne heure d'install avec les frérots French Hardware, on a terminé. C'est surtout eux qui ont fait la plupart du job. Encore merci. Les amis, voici le après du setup. Let's go. Tadam ! Et bah voilà, un vrai gamer les frères. Là, mec, quand il va voir ça, il va être au max. Ah là, il va casser sa tête. Petite chaise, double écran, t'es mal à la tête du PC, il est exceptionnel. Et maintenant, bah, on va lui faire la petite surprise. Il arrive, let's go. Hâte de voir sa réaction. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Hein? Ah? Ah? Hein? Voilà. Ça va, quoi? Surprise, Axel. On espère que ça te plaît. Ouais. Arrivé, t'as choqué ou pas quand t'as vu? Ouais, j'ai cru que c'était pas ma chambre. Là, t'as un vrai setup là. Ouais. Mec, vas-y, assieds-toi, c'est à toi maintenant. T'es choqué là. Tu t'attendais pas à voir ça? Non, pas du tout. En fait, c'est pour ça qu'il me renvoie dans ma chambre depuis tout à l'heure. Ah, il t'a dit d'aller dans ta chambre? il est kécho, il ose rien dire. Moi, je sais même pas quoi dire du coup parce que. Voilà, mais mec, on va t'aider à tout installer. On va te montrer un peu comment il marche l'ordi. Tu regardes les vidéos depuis longtemps? Non, pas. Temps en temps? J'ai pas YouTube. Ah, t'as pas YouTube, mais tu me connaissais? Ouais. Ah, tu me connaissais, mais t'as pas le droit d'avoir YouTube? Non. Mec, là, il va avoir l'ordi, il va. Tu peux tout rattraper. Tu peux tout rattraper, mon coco. Il y a pas mal d'épisodes. Bon, on va te mettre des restrictions quand même. Hein. Tu pourras jouer que le week-end. C'est moi qui mets les restrictions, ok? Vas-y. Donc, tu pourras jouer que le week-end. Non, le mercredi soir, après-midi. Le mardi soir. C'est mercredi après-midi. Ok. Vendredi soir. Ouais. Samedi. Dimanche, mais pas le soir. Ouais, ok. Ça va ou pas comme règle? C'est parfait. C'est des bonnes règles alors. Et il faut que tu les respectes tout le temps. Hein. Okay. Sinon, ils ont le droit de te confisquer le clavier ou la souris. Comment ça va? Ça va. Ça va, t'es content? Ouais, trop. Ah, on va tout te montrer, on va te montrer comment ça fonctionne et tout ça. Il a le sourire, il va dans les cheveux quand même. Tu t'attendais à ça dans ta chambre? Non, pas justement, absolument pas. Ah là, t'as une chambre de gamer. T'aimes bien le style ou... Franchement, ouais, j'aime bien. On avait des bons goûts? Ouais. On espère que t'es content et que tu vas travailler à l'école. Tu reprends l'école là? Ouais, en janvier. Et t'es content ou pas? Ouais, trop. Ça t'a manqué? Ouais, franchement, voir des gens, ça m'a un peu manqué. Ouais. Donc là, c'est la reprise des cours en janvier, ouais. Quoi. Putain, bah franchement, t'es un boss. T'es un boss. Et voilà, on s'est dit, on va te faire un petit cadeau pour Noël. Si c'est un cadeau pour Noël, faut pas que j'y joue avant Noël. Bon, t'as le droit, allez. Et voilà. Merci. Bon, bah les frérots, la vidéo prend fin ici avec Axel qui a son magnifique setup maintenant. Moi, je vous laisse. On souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Voilà, on vous souhaite tous un joyeux Noël. Prenez soin de vous, de vos familles. Encore merci à Rhinoshield qui a permis tout ça. Ils m'ont permis de te régaler. Donc franchement, merci à eux. Merci à vous de regarder la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Axel, bon courage pour la suite. Merci. T'as géré, tu t'es battu et aujourd'hui, nouvelle page. Ouais. Donc je compte sur toi pour assurer. Nous, on y va. Des bonnes fêtes à tous. Ciao tout le monde. Profitez avec vos mifs, c'est important. Ciao.